Le goût de la Côte-Nord, animé par Gabrielle Darveau. Ce podcast est produit par Tourisme Côte-Nord. Un nouvel épisode de podcast pour le goût de la Côte-Nord. Et je dois avouer que j'ai un petit parti pris pour les entreprises qui font de l'alcool. entre autres du gin. Et j'ai la chance aujourd'hui de parler avec Catherine, qui est copropriétaire de la distillerie Le Vent du Nord, située à Baie-Comeau. Allô Catherine! Bonjour! Ça va bien? Ça va super bien, toi? Super! Et comme je dis, je suis vraiment très, très heureuse de te parler parce que, ben, je suis une adepte de gin. Donc, je dois dire que de savoir qu'il y en a qui sont faits sur la Côte-Nord, ça me charme. Et je te disais tantôt avant d'enregistrer, j'ai une bouteille dans mon congélateur du Nord-Côtier qui que je consomme assez régulièrement. La première question que je pose à tous mes invités, c'est évidemment, c'est l'historique de l'entreprise. Catherine, comment c'est parti, la distillerie Le Vent du Nord? Bien là, j'espère que tu es prête parce que c'est toute une histoire. Moi, tu sais, rapidement, je suis une maman policière de formation. Donc, je n'ai aucun antécédent dans les distilleries, mais tout ce qui est entrepreneuriat, moi, je suis rien en administration, rien en marketing, rien dans tout ça, dans le langage jargon que j'ai appris à parler. C'est ça. Moi, c'est vraiment en tant que j'ai passé policière de formation de service en restauration, j'ai travaillé à la SAQ. J'ai toujours été vraiment animée par tout ce qui est relation, interaction humaine. Sans oublier aussi que je suis une maman, puis je suis quand même une jeune entrepreneur dans le sens que j'ai starté le projet de la distillerie à 25 ans. Fait que tout ce parcours-là, c'est tout un petit parcours là, dans ma jeune vie, mais bon, qui me permet de donc bien être passionnée et ça. Donc, voilà, je suis mordue de nature de plein air. J'ai toujours été intéressée et intriguée par ce qui m'entoure. Je suis épicurienne, dynamique, authentique, positive, énergique, tout ce que tu veux. Mais c'est vraiment justement mon côté, mon goût d'aventure, mon côté curieuse, épicurienne aussi, là, qui m'a donné envie de me lancer dans ce projet-là. On a vraiment beaucoup de petits fruits ici, plus qu'au lac d'où ce que je viens. On connaît bien les bleuets et tout, mais c'est vraiment comme ça que tout s'est comme fait un entonnoir et m'a ramené à me dire, voyons, il y a plein de petits fruits ici. Là, je connais les gins, il n'y en a pas dans la confection de tous les gins que j'exploite, que j'utilise, que je m'intéresse. J'ai dit, je vais en faire un, moi, un gin avec nos beaux fruits qu'on a, là, méconnus. Fait que là, c'était cette belle grande idée-là. Ça se fait non plus pas toute seule. Fait que je me suis dit, go, je me lance, je m'ouvre une distillerie. J'ai rencontré, c'est vraiment beaucoup par des rencontres, qui sont, j'arrête pas de dire, rien n'arrive pour rien. Donc, des rencontres qui ont été super significatives, qui m'ont poussée encore, parce qu'on s'entend, j'ai eu des hauts et des bas, là, j'arrêtais, je recommençais. Puis il y a tout le temps m'a ramené vers ça. Fait que j'ai rencontré quelqu'un du centre de recherche qui me disait « là, on fait un projet d'essor sur les petits fruits, c'est non moins cool que tu veux faire quelque chose comme ça dans la région. » Il y a la micro, ici, à Saint-Pancras, qui sont nos voisins, qui utilisent beaucoup les petits fruits, mais mis à part ça, ils ne sont pas super mis en valeur. Puis des producteurs, il y en a ici. On a des super belles richesses. T'sais, c'est sûr qu'en tant que producteur, de te lancer dans une production d'un petit fruit qui est un peu plus méconnu, tant que tu n'as pas de stabilité, de d'achat, tu peux pas faire ça, là. C'est des coûts. Moi, je me suis dit, je veux être la personne qui dit oui, je vais te les acheter. S'il n'y en a pas, on va développer quelque chose avec ça, on va trouver, puis vraiment de valoriser le terroir. T'sais. Donc, petit à petit, j'ai fait des rencontres qui m'ont fondée. J'ai travaillé avec Idée Manicouagan dans la rédaction, dans la confection de mon plan d'affaires. Un plan d'affaires qui est 144 pages. J'aurais pas pu faire ça toute seule. Là. Donc, merci encore, Idée Manicouagan, d'avoir été dans ma vie. J'ai rencontré Paul, qui est mon associé dans la distillerie, qui était un de mes clients avec Ruth, sa conjointe. Puis, ça l'a toujours cliqué. Je les adorais en tant que client, puis je les adore encore en tant qu'associé. Mais avec qui, on a tous fondé ça ensemble. Puis quand il m'a dit « je serais peut-être intéressant à embarquer et tout », moi, ça m'a vraiment fait OK, mais il y a du monde qui sont même prêts à embarquer. C'est comme une tape dans le dos. Là. Fais-le, t'es capable. Il y a eu aussi justement des rencontres avec la micro qu'ils ont entendu parler du projet puis qu'on s'est tous rencontrés novembre 2018. Fait que depuis 2018, on travaille sur le projet et on a eu notre financement en fin 2019. Donc, août 2019.
Donc, ça a pris vraiment une année là, complète, là, et plus, à mettre sur pied toute notre affaire, tout comment qu'on faisait ça. On n'avait aucun, aucun antécédent dans le domaine. Fait que Paul est allé se faire former pendant ce temps-là à Kelowna comme maître distillateur. Il était chimiste de formation. Donc, on avait vraiment ça. Puis moi, c'était vraiment plus le volet, ben, encore une fois, comme l'entreprise est fondée. Et on a eu notre financement. Le monde croyait en nous, croyait au projet. C'était exceptionnel. Là, qu'est-ce qu'on pouvait vivre même avant d'avoir une bouteille. On n'avait rien de concret. Puis les gens y embarquaient puis ils croyaient. Donc, c'était vraiment merveilleux. Fait qu'avec tout ce support local-là dont on a bénéficié, ben, nos rénovations dans notre local ont commencé en octobre 2019 et ils ont terminé en novembre. Ben, tu sais, ça a pris un peu plus qu'un mois. Donc là, nous, tout s'est bien passé. Là, des fois, j'y repense, je me dis, je peux même pas croire, ça, tout a vraiment bien été. On a été à chaque étape, on était surpris. T'sais, c'est sûr que des fois, on peut clairement remarquer que dans ma tête, ça va très vite. Là. Fait que des fois, j'étais là, mon Dieu, que c'est long, les attentes des réponses. Mais tout est quand même venu assez rapidement. Décembre 2019, on a eu notre permis de la RACJ. Donc, on a pu distiller. Ça s'est fait super rapidement. On avait déjà macéré nos ingrédients, donc des idées de qu'est-ce qu'on voulait, sans distiller, bien évidemment. Et on est arrivé à pouvoir déposer notre produit à la SAC qui a été accepté en janvier. Tu l'as dit d'entrée de jeu, tu essaies de beaucoup intégrer justement les saveurs de la Côte-Nord. Tu es une amoureuse des petits fruits. Comment justement vous avez réussi à intégrer ces saveurs-là? Puis comment ont été les premiers tests? Parce que tu sais, des recettes de gin, on ne trouve pas nécessairement ça sur le coin d'une table ou genre sur Pinterest. Il faut quand même faire des recherches. Exactement. Ben, nous, c'est vraiment, on s'est inspiré. On a essayé de prendre la recette d'une base de gin comme si qui se trouve pas sur Internet. Donc, on checkait ce que les gens veulent bien écrire sur leur bouteille. Autant québécois que pas québécois. Fait que rapidement, dans les livres et dans le cours qui n'a pas le suivi, tu as la base d'un gin. Puis nous, on a travaillé toujours dans l'optique de dire on veut intégrer la base, mais de le remplacer par des aromates locales de chez nous qu'on peut trouver. Bon, au début, encore moi, dans la forêt, accueillir tout ce qu'on testait. On va macérer ça, j'ai trouvé ça. On va macérer ça, j'ai trouvé ça. Donc, ça a vraiment été des essais-erreurs, des macérations de trucs. Là, on se dit, oh, ça avec l'alcool, ça ne fit pas pantoute, ça fit. Après, ça a été de marier toutes ces saveurs-là. Moi, mon père est cuisinier, puis j'ai toujours été bien fine du palais. Là. On dirait que j'adore les saveurs, j'adore trouver des amalgames de toutes les saveurs qui vont ensemble. Fait que tout ce mix-là nous a permis de cibler les petits fruits. On travaille avec la camerise, l'airel rouge, le cassis, la baie d'aronia. Et en termes d'herbes, on travaille avec le peuplier fermenté et le thé du Labrador qu'on a tout pitché ensemble. Là, et que, ben, pas tout pitché ensemble de même, mais au fil des tests qu'on faisait. Puis évidemment, on voulait, c'était vraiment important pour nous, comme tu dis, les saveurs de la Côte-Nord, c'est tout le sens de l'entreprise. T'sais. On a toujours voulu que ça soit au cœur de la distrie puis d'en avoir beaucoup. Mais on travaille vraiment fort avec les producteurs, entre autres justement pour développer des cultures, soit qu'il n'y avait pas ou bon qu'il y avait déjà les exploiter puis être des significatifs pour eux. Et aussi, vraiment beaucoup dans développer des cultures qui n'existent pas, développer des cultures de trucs qui poussent à l'état sauvage ici, mais qui n'ont pas en culture. Fait que ça, c'est notre plus grand souhait, là, qu'on travaille déjà avec. Puis, on travaille avec toutes les fermes, on essaie vraiment d'avoir un impact, là, puis des retombées économiques à grande échelle, là, si on veut. C'est vraiment dans notre cœur, dans nos priorités. Puis, en terminant, ben on l'a dit, vous êtes disponible. Ben en fait, pour le gin Nord-Côtier, vous êtes disponible sur les tablettes de la SAQ. Donc, les gens peuvent se le procurer. Sinon, où on peut vous rejoindre? Alors, c'est sûr que d'aller à Baie-Comeau serait le meilleur, mais mettons. Oui. Qu'on peut pas y aller. C'est vraiment, on a un seul client qui est la SAQ. Fait que, vite, comment que ça marche toute l'engrenage de la SAC, c'est que s'il n'est pas à votre succursale, il faut le demander pour que nous, on ait des commandes aussi. Fait que c'est vraiment par les consommateurs qui vont demander à la succursale qui va le commander à Montréal et Montréal qui va nous le commander à nous. Donc, s'il n'est pas dans votre région, c'est de passer par votre succursale SAQ. Sinon, ben venez à Baie-Comeau, c'est beau et on est toujours là pour vous accueillir. Ça fait super plaisir. On aime ça vous voir puis on aime ça vous faire découvrir des trucs méconnus de la région, des sentiers que personne va. Moi, j'aime ça. Là, souvent, je pars avec les touristes l'été. Je leur dis, mais vous savez, je vais aller vous montrer. Fait que c'est vraiment cool. On adore ça, s'impliquer dans la découverte de la Côte-Nord. Mais vous avez aussi, vous êtes aussi disponible sur le web, sur les médias sociaux, si les gens veulent aller voir des idées de cocktails, des trucs comme ça. Là, vous êtes très, très actifs.
Oui, exactement. Sur Facebook, Instagram, là, j'invite tout le monde à nous suivre. On essaye vraiment de contaminer tout le monde avec notre passion, nos bonheurs. On propose des cocktails, on propose même des recettes. Puis on essaye de partager toute notre passion, notre amour autant terroir, région et produits au travers l'écran. Ben, merci beaucoup, Catherine, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Bonne journée. Merci à toi. Ce podcast était une production de Tourisme Côte-Nord. Si vous souhaitez commencer la planification de vos vacances dans notre coin de pays, on vous invite à visiter notre site Internet au www.tourismecote-nord.com, sur Facebook, sur notre page Tourisme Côte-Nord ou bien sur Instagram, Côte-Nord Québec. Au plaisir de vous croiser prochainement!